Bizarre. Oh, oh, bonjour, Mitouki. Par-ci, un petit coup de plumeau par-là. Et voilà. Oui, Bobinette. Ah, tu es là. Mais bien sûr, je suis là. Je suis en train de donner un petit coup de plumeau, ouais. De faire un petit peu de ménage de ce côté-ci. Mais ça tombe bien parce que j'ai deux mots à te dire. Ah, tu as deux mots à me dire. Parfaitement. Eh ben, dis donc. Oh, regarde, oh, les amis sont là. Bonjour, mes tout petits. Bonjour, les amis. Vous permettez une petite seconde? Oui, 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 vous permettez sûrement, oui. Bobino. Oui, Bobinette. J'arrive de ta chambre, là. Oui. Oui. De ma chambre. Et j'ai vu quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu as vu? Quelque chose qui est vraiment incroyable de ta part. C'est incroyable de ma toi, part? Toi, Bobino, qui te prétends aussi brillant. Oh, quand même, Bobino. Ben oui, tu l'as peut-être jamais prétendu tout fort, mais tu le penses, tu le penses. Oh, c'est un petit bide. Et ce que j'ai vu, enfin, ce que je n'ai pas vu, oui, tendrait à prouver que tu as tort, mon grand frère. Oui, bon, parfaitement. Alors, j'admets tous mes torts, mais veux-tu me dire de quoi tu parles? Ben voilà. Tout à l'heure, en revenant de l'école, je suis passée chez mon amie Bigodine, tu sais. Oui, d'accord. Pas tellement loin d'ici. Et tu sais pas ce que j'ai remarqué chez mon amie Bigodine? Non, quoi donc? Dans tous les coins, je dis bien tous les coins de sa maison, là. Dans sa maison? Où ça? Il y a des trophées. Où ça? Où ça? Chez Bigodine. Chez Bigodine. Mais c'est quoi détourner la conversation, là? C'est pas drôle. Oui, 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 oui. Alors continue. Dans tous les coins de la maison de chez Bigodine, oui, il y a des trophées que son papa a gagnés. Il y a des trophées? Ah ben, ça par exemple. Des récompenses, tu sais qu'il a mérité pour son talent, que ce soit comme chasseur, parce que tu sais qu'il aime la chasse, oui, en faisant de la natation et tout et tout. Oui. Oh, mon grand frère, oui, il y a même une coupe en métal qu'il a gagnée en jouant au hockey quand il était tout petit. Ben oui, enfin quoi, c'est bien possible ça. Non, ben non seulement c'est possible, mais c'est la vérité. Ah ben je te crois. Moi, si j'étais à ta place, oui, j'aurais honte, mon grand frère. Tu aurais honte? Oh, de quoi? Ben, j'ai été voir dans ta chambre. Oui. Il est aussi bien que dans notre centre créatif. Oh, oh, ben, il n'y a pas le moindre petit trophée, la moindre petite coupe et pas le moindre petit dé à coudre en argent avec une inscription en ton honneur. Oh, oh ben ça, par exemple, enfin, Bobinette, c'est quand même pas ma faute si j'ai jamais gagné de trophée. Ben, écoute, les gens qui se respectent ont des trophées, monsieur. Mais non, mais non, mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Pas forcément. Attends, c'est pas la peine de te chercher toutes sortes de prétextes. Je dirais plutôt que ce que les gens vont répéter partout. Oui, quoi donc? Toi, tu n'es jamais respecté. Moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Quand t'étais petit, mon grand frère, oui, t'as jamais participé à des championnats de course à cloche-pied, des sauts à pieds joints, la Coupe Stanley, t'es sûr que tu l'as jamais gagnée? Non, 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 je n'ai jamais participé à des championnats comme ça, j'ai bien joué au hockey, mais pas dans la Ligue nationale. La Coupe Grey? La Coupe. Mais non, je n'ai jamais joué au football. Ça. Dire que ça aurait été j'aurais bien aimé pour notre publicité. Ça aurait été bien pour notre la publicité. La Coupe Stanley, tu te rends compte un peu, hein? Oui. C'est pas n'importe quel trophée? Non, évidemment. À condition que ce soit un trophée de sport, hein? Tout simplement un trophée en rapport avec un des arts qu'on pratique ici dans notre centre. On aurait pu le placer, tiens, ici, comme ça, là, bien en vue sur le comptoir. Oui, ça aurait été beau, la Coupe Stanley? Ah, ça, ça aurait impressionné les gens qui viennent ici. Hein. T'imagines leur tête hein, quand ils auraient vu la coupe. Hein. Oh, ils auraient dit, oh, ce monsieur, ben non, il est à la hauteur pour diriger un tel établissement. C'est lui, là, en chair et en os, qui a gagné cette coupe. Oh, alors là, ça jamais m'étouffe que ça n'aurait pas nuit à mon prestige. Comment, t'étagère? Quoi? Comment qu'elle lui en fabriquait un trophée? Mais... même s'il n'en a jamais mérité. Mais voyons, ouais, mais ça ne se fait pas donner un trophée à quelqu'un qui ne le mérite pas. Non, non, non. Ça n'a aucun sens, cette appel. Ça serait de la sens. Fausse représentation. Ah, voilà, exactement, c'est ça. De la fausse représentation. À moins que quoi? Je l'ai l'idée. Je peux très bien t'en fabriquer un beau trophée. Mais que tu vas mériter. Que je vais mériter? Tu vas voir, je vais m'en occuper tout de suite. Quel trophée est-ce qu'elle peut vouloir me faire mériter? Comment, t'as pas joué?
Peut-être le trophée des bobineaux qui n'ont jamais reçu de trophée. Oh, c'est pas ça. Bon. Bah, alors qu'est-ce que tu en penses, ta pagère? Hey, c'est pas un vrai chef-d'œuvre, ça? Je te le fais pas dire, ta pagère. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'appareil? C'est pas une espèce d'appareil, hein. Non, non, c'est le trophée que t'as jamais gagné, mais que tu vas enfin pouvoir gagner, mon grand frère. Il est beau, hein? Non, mais dis donc, mais il est réussi, hein? Non, mais t'appelles ça un trophée? Ben oui. Oh, je suis sûre qu'il passe un peu inaperçu. Il est pas... ça, non, ça, on peut dire. Il est mais beau, dis donc, hein? Binette, mais oui? Tu n'as pas écrit sur le trophée pourquoi je l'ai gagné. D'habitude, ça se fait. On met une petite tête. L'espace ici pour mettre une petite inscription. Ben, si tu, je trophée sais pas. Attribué à Monsieur Bobineau. Oh, là, je sais... En 1900, etc., etc. Non, mais là, je ne sais pas encore. Ah, tu... ah, tu je vais pas te poser encore? Quelques petites questions. Ah ben voilà autre chose. Tout d'abord, oui. Oui. Vu que ça doit être un trophée en rapport avec les activités de notre centre récréatif, oui. Est-ce que tu préférais le gagner en tant que sportif, puisqu'on a un gymnase, en tant qu'acteur, puisqu'on a un théâtre, ou bien oui. En tant que chanteur, puisqu'on donne des spectacles de chant? Je t'arrête tout de suite, là. En tant que chanteur, c'est elle, mes tout petits, qui passe son temps à dire que je chante comme un des canards de la ferme du vieux moulin qui a la porte prise, dans, la patte prise dans la porte du poulailler. Comme une casserole qui dégringole l'escalier. Oh, non, oui, c'est vrai, j'oubliais, là, c'est vrai, j'oubliais. Oui, bah, alors, je te donne le choix entre, bon, acte, ben, il reste acteur ou sportif? Ben, acteur, écoute, ça m'arrive bien sûr de jouer la comédie un petit peu avec toi et avec Giovanni. Ouais. Mais je n'ai rien d'un vrai comédien. Bon, ben là, écoute, on n'a pas le choix, il reste sportif. Alors, c'est en tant que sportif que tu vas essayer de mériter ce beau trophée. Bon, 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 si tu veux. D'accord. Dans quel sport es-tu le meilleur? Oh, là, alors là, ça, c'est un peu compliqué. Attends, voir, dans quel sport suis-je? Comment t'as pas joué? Le saut en hauteur? Le saut en hauteur? Si tu es une bonne idée. Alors, écoute, tu vas nous faire une démonstration de tes talents en sautant par-dessus le comptoir. En sautant par-dessus le comptoir? Tu prends ton élan, puis tu sautes. Non, 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 un petit instant, la bobinette. Moi, je veux bien faire du saut à la corde, si tu veux. À la corde? La corde à danser, là. La corde? Mais, mais pas sauter par-dessus le comptoir, ça ne compte pas sur moi pour ça. Non, 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 ça irait pas la corde à sauter. Ça irait pas? Quand je l'ai, ton trophée, tu vas le recevoir en tant que champion de course à pied. Champion de course à pied? Oui, tu vas faire la course avec ta pagère pour nous prouver que tu le mérites, hein? Tu veux bien, ta pagère? Non, mais enfin, bon, il est d'accord. Non, il est d'accord. Alors là, vous allez vous placer tous les deux derrière, là, oui. Au pied de l'escalier. Au pied de l'escalier, là? Bon, suis-moi bien. Oui. Là, vous allez courir jusqu'à la porte de la salle de théâtre. Jusqu'à la porte de la salle de théâtre. Et puis, vous allez revenir au pied de l'escalier, puis le premier qui sera rendu aura gagné. T'as compris, ta pagère? Ah, ben, ça, alors qu'est-ce qu'il faut pas faire? On va te placer, là. Mériter un pareil trophée. Oui, 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 je vais me placer. Ah, tu as dit au pied de l'escalier? Au pied de l'escalier, ta pagère est rendue. Ah, tu es là, ta pagère. Bon, excusez-moi, mes petits. Bon, parfait, très bien. Là, comme ça va? Oh oui, ça va. Bon, alors, vous êtes prêts? C'est ça, oui, je suis alors, prêt. À toi, vous partez. Alors, 1, 2, 3, partez! Oh, ça y est, c'est Bobineau qui prend les devants, les amis. Oh, oh, ta pagère le rattrape. Mais il arrive le premier à la porte du théâtre. Dépêche-toi, mon grand frère, cours plus vite, cours plus vite. Je fais ce que je peux, Bobinette. Oh, ben ça, alors, c'est ta pagère qui a gagné. Oh! Oh! Oh, 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 par exemple, eh ben... Tu vois, il est meilleur que moi, ta pagère. Écoute, le trophée, il avait été prévu pour toi, là. Oui, mais il est prévu. Ah, va falloir que tu le donnes à ta pagère parce non, que non, c'est lui qui a gagné. D'accord, ta pagère, il faut que ce soit mon grand frère qui remporte le trophée. Oh, j'ai une autre idée. Une autre? Ah, ben, ça, où est-ce que tu vas comme ça? Mais tu devrais t'en douter, mon grand frère. Puisque t'es pas bon, moi, le soir, hauteur. Je devrais me douter de tout ce qu'elle a. Ni dans la course à pied, tu vas recevoir ton trophée. Oui. Trophée en tant que receveur de baseball. En tant que receveur de baseball? Oui. Alors tu vas aller te placer là devant le tourne-disque de ta pagère. Devant le tourne-disque oui, de ta pagère? Tu vas donner ta canne à ta pagère. Pourquoi est-ce que tu veux que je donne ma canne à ta pagère? Ben pour qu'il s'en serve comme bâton de baseball. Pour qu'il s'en serve comme un vrai bâton de baseball. C'est plus épais, t'aurais beaucoup moins de chance, tu comprends? Alors donne-lui la canne. Ah, il n'a plus de chance de rater son coup avec ça. D'accord. Et moi, j'ai plus de chance d'attraper la balle. Oui. Ah, bon, bon, je comprends. Bon, très bien. Alors, alors, tiens, tiens, ta pagère. Alors, tu vas je me place là maintenant, là. Oui, oui, va te placer. Tu es prête? Oui. Ah, bon, parfait. Tu vas être le receveur. Bon, tiens, voilà, ta pagère, prends ça. Bon, vous êtes prêts tous les deux? Oui, oui, ça y est, on est prêts. Attention, hein. C'est toi qui es au bâton, hein, ta pagère? Au moment où j'enverrai la balle, il faudra que tu essaies de la frapper avec ta canne. Oui, mais moi, il faut que j'essaie de l'attraper telle oui. Quelle. Alors, si tu veux mériter le titre de meilleur receveur, hein, attention. Attention à toi, hein. 1, 2, 3. Oh! Oh, par exemple! Mais il n'a pas... Il l'a... Non, tu ne l'as pas attrapé! Je l'ai pas attrapé. Mais il n'y a rien à faire avec toi! Ah, si, 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 justement, il y a quelque chose à faire. À ramasser toute la pile de disques que tu as fait dégringoler, là. Oh. Il n'y a pas d'erreur. S'il va avoir son trophée, il va falloir que je trouve une autre idée. J'arrive! Je vais aller chercher le balai et puis le porte-poussière. Oh, ça, alors! Écoute, tais-toi,
vais rire, tu vas voir. Chut, voilà Bruno. De quoi parliez-vous tous les deux? Je suis sûre que... Vous avez deviné, les amis. Vous allez voir mon verre. Tu t'en doutes pas? Mais c'est-à-dire que non. T'as pas une petite idée? Ben non. Ce beau trophée-là que je viens de fabriquer. Ah non, Bobinette. Que tu vas avoir l'honneur de remporter, de gagner. Bobinette, tu vas pas recommencer avec ton histoire de trophée. Écoute, t'énerve pas, j'ai trouvé une bonne idée. Mais je m'énerve pas seulement. Pour que tu le gagnes, avoir ton trophée. Ah oui, alors, peut-on savoir ce que c'est que cette idée? Je vais t'expliquer, mon grand frère. Oui. Vu que tu reconnais toi-même là, que t'as pas le talent qu'il faut pour mériter un trophée en tant qu'acteur... Non. En alors, tant que chanteur, non encore plus. Moins... Oh, surtout ou pas. En tant que sportif spécialisé dans le saut en hauteur ou la course à pied, on va revenir à ton essai tantôt, là, en tant que receveur de baseball. De receveur? Mais là aussi, Bobinette, je t'ai prouvé que je n'avais pas de talent. Oui. La balle a passé tout droit, elle a frappé la pile de disques de tapageur. Oui, mais le c'est toi-même qui l'a ramassé, là, tu devrais le savoir. Écoute, le trophée que tu vas recevoir, ce ne sera pas un trophée de receveur de baseball. Ce ne sera pas un trophée de receveur de baseball. Si ça va être quand même un bien, parce que là, ça serait de la fausse représentation. Même ça va être un trophée de receveur. Un trophée de receveur? De receveur? Oui. Je ne connais pas d'autres receveurs que les receveurs de baseball. Tu le sauras dans un instant. C'est vrai, j'allais oublier. Quand on reçoit un trophée, vu que c'est un honneur, en guise de respect, c'est mieux de se découvrir. Hein? C'est mieux de se découvrir? Oui. Quand on reçoit un trophée? Oui. Ah, ça, je ne savais pas, mais enfin, si ça peut te faire plaisir, je me demande à quoi je vais en dire, mes tout petits. Tu vas voir. Bon, alors, je me découvre. Oui. Alors, comme ça ne peut pas être un trophée de receveur de baseball, vu que tu es trop maladroit, ça va être un trophée de receveur de farine. Ah, de receveur. Elle tient absolument à me le donner, son trophée, mes tout petits, de receveur de farine. Oui, mais pour éviter de faire du gaspillage, ce ne sera pas de la farine, mais du sable blanc. Ah, pas bon, alors je m'entends. Vas-y, tire sur la ficelle. Elle va remplir ça de sable blanc maintenant. Ah, vous rendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que. Fais, veux-tu. Tapage. Non, mais veux-tu. Veux-tu, c'est ça. Non, ça suffit, tapage. Ça suffit, mais je comprends que ça suffit. Regarde un peu. Mais là, tu l'as mérité, ton trophée, mon grand frère. Non. Moi, je me vois le dard. C'est un beau trophée. Ah bon, excusez-moi, mes tout petits, mais. Il a fallu que j'aille enlever quand même tout ce sable que j'avais sur mon gilet. C'est quoi? Et dans mes cheveux. Non, quoi donc? Je vais te le donner quand même. Tu le mérites, ce trophée. Tu dis que je mérite ce trophée, mais dis donc, Bobinette, ce trophée, j'aimerais autant ne plus en entendre parler pour un petit moment. Non, mais tu vas voir, on va mettre une belle inscription. Oui. Si je vais écrire au plus gentil grand frère de tous les temps, Bobino. Au plus gentil grand frère de tous les temps? Oui. Ah, alors là, je pense que je vais peut-être l'accepter. Je vais y réfléchir. Oh, c'est gentil. En regardant les dessins des tout-petits. Ah, ouais, d'accord. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil sur les dessins que vous nous avez envoyés, mes tout-petits. On vous avait demandé de nous dessiner ce à quoi vous rêvez juste avant de vous endormir pour faire de beaux rêves, des rêves de sommeil. Ici, on a un dessin de Nadia Piché qui a 5 ans de Lac des Îles. Je rêve d'aller à la pêche avec mon grand-père. Oh, ah ben bien sûr, quand on habite au bord d'un il lac, est beau ton dessin. Comme le lac des îles, bien sûr, on veut aller à la pêche. Voilà, avec mon grand-père. Ici, Olivier Brossard, qui a 3 ans de Trois-Rivières-Ouest. Je rêve à un cobra et à un cow-boy. C'est assez curieux, ça. Rêver à un cobra et à un cow-boy. Enfin, c'est le rêve de Olivier Brossard. Bon. Tu sais ce que c'est qu'un cobra? Un cobra, c'est un serpent, hein? C'est ça, très dangereux. Un serpent très dangereux. Julie Bourbonnet, qui a 7 ans de la rue Montana à Montréal. Je glisse sur l'arc-en-ciel. Ça, c'est très joli, ça. Je glisse sur l'arc-en-ciel. Et puis, quand elle arrive en bas, comme ça, tu sais ce qui arrive? Non. Elle s'endort. C'est bon. C'est un bon truc, ça. Hein? Au revoir, les amis. C'est ça, ta voiture. Au revoir, mes petits. Thank you.